Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. À moitié, j'ai dormi à l'hôtel Jour J, le Royaume TCG, l'événement de David Lafarge. J'irai avec le poteau Yaya, ça fait extrêmement plaisir. Je vous mets des petites images. Alors, petit Nakama, aujourd'hui 16 000 mètres carrés, 40 milliards d'exposants, 40 milliards de visiteurs. On est là avec les amis, on va aller vlog tout ça, on va faire des ouvertures, on va voir les amis. On a franchement pas mal de choses à faire, ça va être un vlog de folie en une ou deux parties, je sais pas, il y aura tellement de trucs. J'ai pas envie de vous envoyer une vidéo de 2 heures, donc on va voir ce qu'on va faire. Mais en tout cas, ça va être un event de folie, des shows, des ouvertures, les nakamas, les potos, les copains, ce que vous voulez, tous les stands, etc. Franchement, ça va être pépite. Et si on quitte l'hôtel, chut. Et on est à c'est un hôtel à Villepin, donc on est à 5 minutes de l'event. On va prendre la voiture, on va aller. Il est actuellement 7h45 du matin pour qu'on soit les premiers dans les places VIP, parce que j'ai pris une place VIP, bien évidemment, pour être dans les premiers. Voilà, comme ça au moins je pourrais filmer aussi un petit peu à mon aise, parce qu'il y a plus de monde, ça va être plus compliqué. Mais voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Ça va être pépite, let's go! Regardez ça, mon Nakama. Comment c'est géant. C'est géant, j'ai mis la capuche parce que j'ai froid aux oreilles. Mais c'est incroyable comment c'est géant, j'ai hâte de voir l'intérieur. C'est même pas ça, il y a un autre truc. C'est la folie, c'est la folie. On se revoit à l'entrée, les gars. Nous y voilà, monsieur Nakama, le royaume du TCG. Voilà l'entrée. Nakama, on a marché je sais pas combien de kilomètres. C'était une dinguerie, on a marché beaucoup. Le parking était un peu loin. Bon, après, on pense, je sais pas combien de milliards de mètres carrés à des events et tout. Et là, voilà, on a déjà la file pour les tickets classiques, les tickets VIP. Donc, on fait la file et voilà, ici la grande star, Dragosild, le Greg. Et donc, là, nous, on est là, ticket VIP, on attend l'heure. C'est déjà blindé, ce sera un peu plus que blindé parce qu'il y a plus de 7 000 tickets à vendre. Ça va être une dinguerie. Donc, voilà, un petit Nakama, regardez-moi ça. On est en train de rentrer avec Mehdi après 1 heure de file. Collectionneur TCG, let's go, c'est parti, on va chercher notre petit sac VIP. Nous y voilà, un petit Nakama. Là, je pense qu'on aura peut-être des signatures. On a le stand de Vogue et la roulette. Et là, on va commencer directement. Directement avec mon équipe favorite, l'équipe Tactic Game. Ils sont là tout le temps. Vous êtes partout, les gars. Hein. Mais écoute, ça, il faut, hein, je peux plus vous voir. Hein. Je peux plus vous voir. On aime bien te voir. Regardez-moi ça. Toujours. Oh, comment dire, il y a du drac au feu. Eh, les gars, j'ai trop de stands à filmer aujourd'hui. Hein. Il y a trop de choses. Combien de licences? 600, 800. Combien? 800. Eh, t'es un mauvais élément. Nil, il est où? Il est mauvais, lui. Hein. Il sait pas ce que vous avez ramené aujourd'hui. Aujourd'hui? Oh non, aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais 400, je pense. Ah, il y a beaucoup de Pokémon hein, aujourd'hui. Hein. Ah, ça change d'habitude, hein? C'est bien. Les box mystères, combien? Ça, c'est la nouveauté, ça. 40 euros. Et à quoi dedans? Qu'est-ce qu'on retrouve dedans, les gars? Tu peux avoir 5 boosters, il y a des box où t'en as 8. Et tu ouais. peux avoir même des petits bonus où il y en a 6, tu vois. Ah, ça va, il connaît la marchandise. On a du chinois, du football. Là-bas, on a des ETB, Pokémon. Franchement, pas mal de choses. Comme d'habitude, du Magic. Il est là, franchement, beaucoup de cartons loose. Le King, il est là. Il est là, ils sont là, ils sont là, la meilleure équipe. Et voilà, tu m'as un des meilleurs stands. Comment? On a un drone, on a un drone, on a un drone, on a un drone. Ah non, on a du Pokémon. On viendra vérifier tout ça plus tard. Comme d'habitude, Nakama. Tactic Game. Incroyable pépite. Là, on a le coin des barons. On avait été voir leur magasin. Pas mal de Pokémon, hein, comme d'habitude. Voilà, petit Nakama, je n'aime plus où donner de la tête. Il y a tellement de pépites. Par où on va aller? On a un turquoise avec des grosses, 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 grosses pépites. Pokéball. Et là, on a le King. On a Pokémon. Avec pas mal de choses. Avec une Zouzou. Des belles pépites. Voilà une Pokémon. On va continuer à venir ça tout de suite. Kelly. Il nous a ramené du One Piece. Du Pokémon japonais. Des petites pépites. Une célébration. Le petit dragon 9,5. Pas mal de grosses pépites. Oh, très bon prix ça par contre. Hein. Oh, des alternatives à gogo. Il nous a ramené du lourd. C'est un très bon prix en plus. Hein. Ça va, j'ai. On a du célébration. Des ETB. Ils ont ramené du très 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 lourd. Des displays. Merci.
Ça va, de glace. Ça va quoi? C'est blindé, il y a du point monde, de fusion. C'est un peu la course comme. On a pas mal les gars. Il est banger, en tout des cas. Promos, du Noctane GX. Ah, il est vraiment bien. Il a mis là comme ça. Du blister de fou. Vas-y Camille, à toutes. Là, un blister de fou. Ça va comment frérot? Ça va quoi? HGSS, oh là là. Ils ont ramené du très 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 lourd. Regardez-moi ces tripacks. Il y a trop de choses à dire les gars. Trop de choses à dire. Regardez-moi ça. Ici. On a même du V8. Non, non, t'inquiète, je vais juste me balader, tu vois. Vous avez ramené du V8, hein? Petite TB, tout ça, du génération. Et t'as les Pokébox. Ah ouais, t'as le Pokélite. Non, je pas mal de pépites. Et même full loose. On est très bon, on est très très bon, les gars. Vous avez eu pas comme goodies? On a même pas eu, nous. Je sais même pas ce que. Là, on a la petite vitrine. Avec des grosses displays. Pas mal. On est pas mal. Très 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 lourd. Ça, ça fait plaisir. Très très lourd encore. Hein. J'ai pas vu ça. Le petit turbo, il 5 je crois. Hop là, du Rocket. Ouais, mais elle a un accro sur le côté. Du diamant et pas de tempête. Du 7 de base. Si, j'en ai ici. Rouge feu vert feu. Platine. Petit ami, dans l'ancien pour récent. Pas mal, des tripacks de fou furieux. Oh, il y a même de gradés. Pas mal de gradés, pas mal de petites pépites. On est bien là. On est bien. On va venir faire un petit tour. Je pense qu'on va faire des petits achats. Là, on a pas mal de boosters. Là, on a les. Voilà. Let's go. On continue là, on est chez Vogt. Maintenant, on peut aller par là. Là, les gars, on est chez N'importe Poké Poké. Ishikawaku. Même eux, ils ont très 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 lourd hein. Du blister. Regardez-moi ça. La petite TB tendre perdue. Du hot choc. Très 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 grosse display les gars. Vraiment des très 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 grosses displays. Des grosses TB tempête céleste. Eclipse cosmique. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Même 14 000 euros les gars. Alliance Infire, tonnerre perdu. C'est juste incroyable. Des duopacks de fou furieux. On est pas mal. Des displays chinoises. On est très 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 bien. Ça, une petite carte. Franchement. Petite peluche. Très beau stand, ils sont là. Les BG, là on a énormément de cartes en loose, enfin en cartes gradées plutôt. Pas mal de pépites, hein. Du V3, 251, gradé collectora. Incroyable, incroyable tout ce qu'on a là, les gars. On a beaucoup, 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 beaucoup de trucs. Plutôt pas mal, les gars. Ça fume tout seul. Petit booster. Des trucs anciens, regardez-moi ça. Terrible. Un petit Lugia de cristal. Les gars, ils ont ramené du très 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 lourd. Petit Mewtwo Rocket. Ça fait plaisir. Et les gars, c'est phénoménal. Du Rocket, du set de base. Ils ont ramené vraiment de la pépite. Très très bien les gars. Très 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 bien. Je vous montre en deux spies parce que si on va rester sinon ce serait un bloc de 4 heures. Ouais, ça le va. Petit suicide. Cool. Juste pépite. Regardez mon sang. Tu vas acheter des cartes. Regarde, on est sur du très 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 lourd. Ça s'arrête pas. Hein. C'est vraiment. Ils ont du très 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 lourd, les gars. Ah, ça c'est un bon appareil. Ça. Très très lourd. Je confirme. Bon confirme ça, les gars. On est sur du lourd. La Kama, c'est la meilleure vitrine que j'ai vue de ma vie. On est sur du très 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 lourd. Et même petit David, il confirme. Je confirme. Ça fait une heure qu'il est là. Je confirme. Non, mais j'ai envie de tout prendre. Et donc voilà. Les gars, c'est juste incroyable. Il y a même du EV8.
Franchement, là, on est juste pépite. Hein. C'est un stand de fou furieux. Il y a même du 151. De l'autre côté ? Oh, par contre, c'est pas bon. Ils ont ramené des gros coffres anciens. Non, mais sur du très très lourd. Qu'est-ce que vous nous dites, soleil et lune ? Également ce gros coffret là de fou furieux. Oh, il y a un trou. Ah ouais? On fait crédit aussi, c'est sûr. Excellent. C'est incroyable. On a surtout que des 6. C'est des trucs de base. Non, les anciens duo pack. Tripack. Là, on est sur du très très bien. Je vois prisme. 151 dessinée radieuse. Et ils ont ramené la masse, les gars. Ils ont ramené la masse. Franchement, là, on est très 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 bien. C'est une dinguerie. Nakama, c'est vraiment une dinguerie. On est juste là, les gars. Là, on est sur du Pokéball. Vraiment, ce qu'ils nous ont ramené. Là, on a des coffrets de base, etc. Aujourd'hui, ça va être la journée. Hein. Vous allez avoir que des caméras. Petit coffret Dracolos, petit coffret ancien, excellent. On est sur des petits tripacks épais boucliers, avec très bon prix. Des boosters, des boosters, XY, Soleil et Lune. Là on est sur du très très bon, les gars. Là on est sur du très très bon. On va passer sur la vitrine. Là on est sur des gros boosters japonais. Ça fait plaisir. Regardez-moi ça, un petit deck, un petit display des néo-dessinés. On est sur du très 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 lourd, les gars. Ténèbres embrasées 1200. Là, tiens, regardez-moi, regardez-moi cette tripac de fou furieux. Et même quand on descend, c'est une lune. Ça ne s'arrête pas. Hein. Des ETB. Regarde-moi, ouais, regarde-moi cette display platine. Sur display soleil et lune en rare dedans. Star étincelante. Oh, les petits decks. Et quand, comme par hasard, il y a quelqu'un à côté de moi. On est sur du très très bon, là. On est sur du très très bon. Ah, la platine. On est sur du très bon. Écarte-toi, mon ami. On continue, les gars, sur le petit tripac. Ça va, t'as chopé ce qu'il fallait? Petit display V5. On est déjà sur le petit booster V8. Petit booster immunité, ça c'est plutôt pas mal. Là, on a tout ça. C'est moi, c'est le braquage. Ça, c'est bon, ça. Allez, let's go. On continue. Là, on est chez Ichi-san. Allez, Nakama, là, on est sur la journée. Ça annonce exceptionnel. Un petit Pikachu Star. Petit Nakama, là. On est sur du très, très bon. Très, 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 très bon. Hop là, on continue. Là, on a CCC. On est chez Atmos Arena. Aussi, on est un petit pépite. Bon, on va pas finir tous les stands de Monsieur Doigt. Là, ici, on est. Il y a Belgium. Carte Belgium. Voilà, ça, c'est des Belges. Les gars. Soutien en Belge. Voilà, mon petit tripac origine perdue. Là, en gros, très très bon prix. Du flan obsidienne, bon prix aussi. On est sur du très bon, hein. Très très bon. Très très bon. Grand stellaire. Petite box. Pas mal de récents, en tout cas. C'est trop pas mal. Ça. Hop, on trace notre route. Là, il y a Pop Culture. Mais il y a quand même, j'ai tellement de gens que je dois aller voir. Et là, on a collectora, le petit Seb, pour grader vos cartes. Ah, petit Nakama, on est sur du très 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 lourd. Chez 1 milliard de stands, je sais même plus où aller, là j'ai déjà fait. Là c'est, on n'a pas filmé ça. Là on est chez Relic, TCG, beaucoup de rouge, pas mal. Beaucoup de cartes, beaucoup de japonais. Non, c'est une deuxième fois, je connais pas. J'ai un petit carbone, un petit prix tout ça. Là, ici, on a du petit Lorcana. Ça, c'est pour les tournois Lorcana, j'imagine. Là, on est chez Collect Avenue. Les Nakama, ils trouvent ça. C'est du Empire. Tu nous collectes. Tous fous d'époque, là on est chez Tous fous d'époque. Eux aussi, hein. Oh,
Ça marche même plus au donner de la tête. Là, on est chez Card Hunter. On nous a ramené de la pépite. Et ici, des petites cartes en rouge. C'est ça qui nous vient ici. Bonjour. C'est un plaisir. On va enchaîner là. Un petit Nakama, il est là ici. On a du très lourd. On a des displays origine perdue, reine de glace, beaucoup d'épées boucliers. Là, on a des gros crofets drac. Ah, deuxième multiprime, régiliqué, etc. Des petites ETB. Pas mal, on est pas mal, les gars. On est pas mal ici. Hein. C'est le stand. Hein. Non. Beaucoup de cartes gradées. Ah, c'est très bien. Ah, on est très bien, les gars. Ça fait plaisir. Oh, Nakama. Un petit duo pack, des petites CD, des coffrets. Du 151. Regardez-moi ça, des petits duo pack. Pas mal, hein. Pas mal de choses. Petit TB voltage éclatant, de l'Orcana, etc. Franchement, là on est pas mal, hein. Pas mal de petites choses. La reine TCG, on nous ramène la pépite. Du célébration, oh, des petits coffrets. Ça fait plaisir, ça court le petit booster, 6 euros le petit booster. Ils sont là, ils sont venus casser les prix, je crois, ils sont pas en train de s'installer, hein. On va pas trop les déranger, mais il y a pas mal de petites pépites. Hein. Regardez-moi ce petit coffret, oh, Montalé Deoxys Squad, avec des gros boosters. Et on est bien, les gars, les prix ont explosé. Les prix ont explosé sur tout ça. On est très bien sur tout ça. Hein. Mais ouais, Drac 151, les gars, fallait être là. Ah, ils ont déjà le présentateur à Cordelis. Là, on a une petite carte en rouge. Je vous laisse vous installer, hein, parce que là, on est en train de vous déranger, là. Oh, il y a des frérots. Ah, les gars, on a Louis Price. On est en train d'étiqueter ces trucs. On va pas le déranger. Il y a pas mal de choses, les gars. Là, ici, on a eBay. On a eBay. On va continuer à chercher. Qui est-ce qu'on connaît? Parce que normalement c'est la guerre, il y a des stands partout. Il y a des stands partout. Ça, je sais pas ce que c'est peut-être pour les tatouages. Le plein. Ok Kaïbin. Carte à bain. Là on est chez le bordel magique. Il y a pas mal de petites choses. On continue, on avance. Là on est sur un stand très beau. Il filme bien, il est spécial, hein, il est bien. Un petit V7 là, des petits duo pack, petit booster sous booster. Regardez-moi ça là, on a du EP bouclier. Oh, 13 euros, 100 euros la rate. Pas mal de petites pépites. Oh, regardez-moi ça là. Fou code PCA nous filme, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien les petites pépites bien dark, regardez-moi ça. C'est du flou petit poké. Ça va encore mon frérot? La forme, vous êtes bien installé? Tingui il a un ego. Regardez-moi ça les gars. Tingui. Avec Pokémon Descend. Et le Dune Rock les gars. Le Dune Rock, regardez-moi ça. Regardez-moi cette création de fureur. Regardez-moi ça. Tu nous as encore sorti des dingueries mon petit Dune. Regardez-moi ce que. Ça va encore mon frérot? Comment il va? Ça c'est de la pépite. Et il récupère tout et il fait des chefs-d'œuvre. Regardez-moi ça. On a même le studio l'Orcana. Le petit Pokéball de fou furieux. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on aime, le petit Kaiminus. T'en as produit, hein? T'as taffé au lieu. Tu nous as fait du taf, hein? Tu connais, hein? Les fourneaux là. Il est bon, les gars. Il est bon. Si vous voulez des trucs spécifiques, il faut venir chez lui. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Si on n'est pas dans le turfu. Un Ronflex, un Roncoups, et il te les sort. Il est juste exceptionnel. Regardez-moi le petit Osler. Le Florizarre. Eh, il est incroyable. Ça m'en rend des alternatives de fou furieux. Le petit Vulcan. Là, je suis très bon. Petit ATB. 151, 25 ans. Oh, très bon, les gars. Très bon, hein, moi dire le petit Dune, l'artiste. Si vous voulez un truc en privé, les gars, n'hésitez pas à l'UMP. Bon, aujourd'hui, ça se passe ici. Hein.
Allô, ta carte de visite, frérot. Ah, moi je suis tout aveugle là. Hein. Voilà. Scannez-moi ça, les gars. C'est ça qu'il veut. Il est où le scanner? Il est où le scanner? Quand tu l'as, tu retournes. Ah, bah ouais, il est là, pour rien. Il est là, les gars. Scannez-moi ça, scannez-moi ça. Bienvenue chez Dune, les gars. En face de JCC, en pleine action. On a le Tibiki. On a même sa petite boutique. Il en met pas mal de petites choses, les gars. Là, on a une petite display, Soleil et Lune, du Rhin de glace, et vous soyez les 900 trop cher, hein. Un peu trop, hein. Non, on est bon, là. Non, c'est du bon, très 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 bon. Déjà, on est très très lourd. Star étincelante. Oh, t'es là, toi. Et là, toutes les demi-displays. C'est la EV3. Allez, les gars. C'est la seule, là. Ça devient rare, hein, en display. Là, on a des très très gros coffrets, les gars. Petit vrai coffret. Ciné radieuse. Ah, un carré, les gars. Celui-là, c'est un coffret. Très très bien. Voilà. Qu'est-ce qui nous a ramené quand on veut. Le DB. Ultra prisme. Légende brillante. Boule de glace. Un petit display encore. Les ITB, les gars. Les ITB, elles ont claqué. Elles sont fortement montées. On a ultra premium 25 ans, 51, vrac au feu, des coffrets de feu, pas mal de petites pépites, hein. On est très très lourd. Hop là, on est bien. Petite visite, attention à Samaritta, les 2000 displays, les petits tripack, toutes les mini tines. Là on est très très bien à 330. On a de tout. Nakama, on est chez le partenaire Procase. Il aime pas les caméras. Bon, donc moi je vais faire mon taf. Hein. Je vais faire mon taf de partenaire. Regardez-moi ça, les protections. Il a fait le taf. Regardez-moi ça, il a ramené du matos. Regardez-moi ça. Les prix en couleur arrivent tout à l'heure. Les gars, regardez-moi ça. Hop là. C'est quoi ça, hein. Voilà les gars, 20 euros. Qu'est-ce que vous voulez? Et si vous achetez sur le site, c'est Zach 10. Qu'est-ce que tu fais avec Ultra? Bah oui, bien sûr. Regardez-moi ça. Pour le booster, pour 4 boosters, pour 3 boosters. Et les gars, on est au top, hein. Rapport qualité-prix, les gars. Si vous trouvez mieux que ça, je vous rembourse. Display de bundle, il a ramené aussi. Bah, ça, je savais même pas. Je n'étais même pas au courant. Ultra Premium Mio. Ça, j'en ai besoin. Non, j'ai pas. Je n'étais pas au courant du produit. Non, les gars, on est bête sur du sur-mesure aussi. Hein. On est très bon. J'ai la Premium. La 25 ans que je dois changer. Pourquoi, mais tiens, comme je disais, Zach 10. Pour vos protections. On a même display bundle. Les portfolios. Il a tout ramené Procase, les gars. Procase. Zach 10, moins 10% les gars. Donc là les gars, comme vous avez pu voir, on a vu beaucoup d'amis, ça fait extrêmement plaisir. Et là maintenant il y a encore beaucoup d'autres stands que je dois voir. Les gars, c'est énorme, il y a des stands de partout, regardez-moi ça. Là ici on est chez JCC, là on a d'autres stands, là-bas on a un grand food, là on a des toiles, là on a du Pokémon, là on a du Tops, on a vraiment énormément de choses. Là on a des cartes, des créations sur mesure, une petite carte personnalisée, on va essayer de filmer un peu plus près. Au niveau des prix, regardez, voyez, prix 4, pas trop les gars, pas trop. Là-bas on a une salle d'arcade, là on est chez Pierrotin. Là les gars, que des stands de partout. Moins 1. On a le Poké Didi, les gars. Regardez, il y a qui, les gars, ici. Regardez, il y a qui, les gars. Regardez, ils ont même des chips. Poké Didi. Regardez, les gars, ils ont ramené de la pépite, les frérots. Du 10.5. On sait pas. Parce que à force, après, tu peux en avoir deux quand même. Si t'as la gold, si t'as un petit truc plus sympa. On est pas mal, les gars. Regardez, on est plutôt pas mal, hein. Du monde pisse là,
du Pokémon. Nous, on a des SN en Jap, là. Plutôt pas mal. Allez voir les gars, regardez, là, ça continue de filmer. On a une petite carte en loose, une petite carte gradée. Pas mal, hein. Petit booster en rose. Ah, c'est bien, là, c'est bien. Gadan Cristal. On a une petite pépita. Le Rocket. Mais c'est quoi ça que vous sortez, ça se prend 15 euros. Là, on est sur du bon, les gars. Là, on est sur du très, 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 très bon. Là, les gars, on est chez Vendikez avec le sondage. Il fait du cirque. C'est une dinguerie. Et on a une petite valisette spéciale. Voilà, mon regard gradé. Bon, un petit mot pour la communauté ou pas? Avec des icônes cristal, etc. Là, on est surtout bon, les gars. Si vous les petites valisettes. Et il y a aussi un jeu Vendikez. Tu peux en parler du petit jeu? On est sur du bon, là, les gars. Là, on a les fréquentes Kanto. Japanese Pokéball. Là, il va y avoir beaucoup de japonais, hein. Tu connais pas, c'est la première fois que je vois cette boutique. On va de pépites, non? De petits decks, de tripacks de fou. Oh, pas mal. Pas mal, le bon pack spécial. Artset, c'est vraiment la valisette Pikachu, les gars. La valisette Pikachu, les gars. On est sur du bon, on est sur du très bon. Il y a beaucoup de cartes en ligne japonaise. Des belles, des bons états. On est sur du très très bon, les gars. Très 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 bon. Un petit moko moko. On est bien, les gars. On est bien, les gars. On est très 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 bien. Les frérots Kanto, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? On va prendre du bon. Oh, petit booster de jungle. Les gars, on est sur du très 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 bon. C'est la paille des légendes. Des duos pack génération. On est sur du très bon, les gars. On est sur du très 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 bon. Très bien, très bien. Très très bien. Ah, les gars, il y a énormément de stands. Franchement, ça fait grave plaisir. Oh, regardez-moi ça, les gars. Là, on est chez le King. Regardez-moi ça. Carte label, les gars. Comme je vous l'ai déjà montré auparavant. Si vous voulez des triples illustrations, des belles choses comme ça, c'est ici qu'il faut venir, les gars. Ça protège très bien. Ça. Regardez-moi ça. Il y a même personnalisé les cartes, les gars. Regardez-moi ça. Le royaume TCG. Ouais, pour sauver les meubles, par exemple, des vieilles cartes. Très, 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 très bien. Très, très bien, les gars. On a les produits spécifiques, vous les connaissez, hein. Là, on est sur du très lourd. Très, très bien. Regardez-moi ça. La qualité. La qualité de fond. Comment on peut bien protéger vos items. Carte label, les gars. Il nous a mis très très lourd aujourd'hui. Regardez-moi ça, il est là, le boss. Le petit carte label. Excellent. Là, on a Cardmania. Tops. Et moi, franchement, j'ai vu beaucoup de monde. Je pense que j'ai pas fini. Je pense que j'ai fait un peu le tour n'importe comment. On va essayer de se trouver du V8 et d'ouvrir. Ce serait plutôt pas mal. On va voir, hein. Let's go. Bah non, tiens, Kama. En fait, le petit tripac diamant et perle. Il y a pas mal de choses que j'avais pas vu, hein. Tu vois, le diamant et perle, l'éveil des légendes. On est sur du très très lourd, les gars. On est sur du très très lourd. Regardez-moi ces tripacs de fou furieux. Oh, pas mal, hein. Les gars, ça c'est. Oh là là. Ça c'est une vitrine de fou furieux. C'est vraiment une vitrine de fou furieux, ça. Ici, on est sur des gros coffrets. Du épée bouclier, du saillé élu. On est pas mal, les gars. Des grosses Pokébox, des gros coffrets. Oh, du dessin occulte. Ah, les gars, ça c'est un stand de fou. C'est vraiment sur un truc de vente aux enchères, en fait. Très très grosse pépite. Je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez-moi ces gros tripac. Fou furieux, les gars. Regardez-moi ces Pokébox. Regarde, qu'est-ce qu'il est. C'est quoi c'est le coffret de fou furieux, les gars. Ah, monsieur. Oh là là. Oh là là, les gars. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Regardez-moi ça. Petit Car City. Tu connais pas, moi. T'as pas de stand aujourd'hui, toi. Ça va et toi? Les gars, toujours avec Car, si on a discuté un petit peu, les gars, c'est quoi cette box de malade mental, les gars? Ça, c'est vraiment très, 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 très lourd, les gars. Vraiment. Le
des pics de fou, les gars, la balisette. Ah, on est sur du bon, les gars. On est sur du très, très, très bon, les gars. Regardez-moi cette vitrine de fou, là. Oh là là, les gars, des choses que je... Personnellement aussi, j'ai jamais vu. On est sur de la très, 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 très grosse pépite. Vraiment... Ah, c'est dingue, les gars. Regardez-moi ça. Merci, yeah. Merci, à bientôt. On exclut. À tout à l'heure ou à demain. Je voilà, on est pas encore nombreux, ça va tenir les crânes. Les meilleurs sont déjà là, c'est ça, c'est ça, et c'est parfait. Mais voilà, 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 voilà. On va pas attendre, on va commencer tout de suite, parce qu'on est là pour ça, en fait. Et voilà, et déjà, il est... Ouh, on a déjà 4 minutes de retard, c'est incroyable, faut qu'on arrête. Ok, donc attrapez-les tous pour commencer ça. Beaucoup de poubelles dingueries niveau Naruto. On est sur du bon là. On est sur du très très bon, les gars. Hop là. Des petites BP, des petites MR, des petites NR. Comme on les aime, vous connaissez, hein. Pas cher la BP, la CR. On est sur même du Marvel. On est sur du Naruto toujours. La petite Discord. On a des petites box mystères Naruto. La box anniversaire. On est sur du très très bon, les gars. Bien sûr, très beau, très aussi. Petit tapis. C'est quoi cette boîte? C'est un petit pack. Avec une tension dedans. Il y a une carte de promo. C'est très fort. C'est ça. Salut, ça va? Ça va, tu vas bien? Super. Tu veux regarder après pour faire un petit display? Oh, pour faire un petit display, hein. Regardez-moi, même du 3 royaumes, du Hobbit. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Ah ouais, les petits bébés de pause. Moi, si j'aime bien le bouton. Let's go. Ouais, mais il a une surprise. Le frérot de Belgique avec un autre frérot. Il nous a ramené des petites pépites là. Un petit peu de Kun, Entei, carte là, une Gadagaba. Un petit peu d'ancien, un petit peu de Lisette. La même des Mystery Pack. On va arrêter ça à l'occasion. Hop là. Petit pack. Les petits items. Oh, il nous arrive 251. Du Drac. Ici, pas bien. Tiens, Thomas. Full Soleil et Lune. Fred Giotto. Pas mal, hein. Là-bas. On a une petite surprise. Let's go. Non, mais on a 3. Les gars, on est dans ce stand de Tingui et le Dune. On n'avait pas filmé tout ça en fait. On a un kit d'apé reine de glace. Display. Kit d'apé point de fusion. Du célébration. Du duo de choc. Du voltage éclatant. Du XY évolution. Incroyable. Regardez-moi ces pépites. Tout sympa hein, d'être derrière. Hein. Facile les gars. Facile. Montre l'envers du décor, les petites valisettes en avant-première. Et on a quoi? 2 EV8, 2 EV4 et 1 EV7. Petite TB Reine de Glace, Flamme Occitienne, 151, Zénith Suprême. Oh, la mini-team. On est sur du 105, c'est la célébration. Je pense que c'est la 151. C'est la 151. Petit Zénith Suprême, pas mal de petites choses, les gars. Petite display Reine de Glace, star étincelante. Beaucoup de dessinés, hein. Beaucoup de mini-teams. Excellent. On a ce qu'il faut, les gars. Pas mal de petites pépites. Hein. Pas mal de petites pépites, les gars. Alors, les gars, on a le petit David Lafarge qui ouvre le petit booster ancien. Mais ici, on a beaucoup aidé Pro Case, franchement plutôt pas mal. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire. Hein. Et franchement, incroyable. Il y a énormément de monde. Mais c'est incroyable. C'est vraiment très très bien. Allez, let's go, c'est parti. On continue. On est dans les backstage de Vogt. Qu'est-ce qu'ils nous ont ramené comme pépites? Ils aiment bien ramener. De la bonne pépite. Ça, c'est un bon petit display diamant et perles. C'est un très très lourd. Petite carte brillante, petit ambiant, petit moteur, rien, c'est une carte lancée. Petit
gars, le petit David Lafarge, qui fait ses petits autographes. Ça commence doucement à se vider, mais franchement, le petit Nakama, c'était une dinguerie. J'ai pas su tout filmer, mais il y avait tellement de choses, tellement de personnes. C'était incroyable. La Pokéball aussi, il avait régalé. Bon, pas mal. Mais ici, c'était quelque chose de ouf. Hein. Un port Poké, bien joué. Franchement, bravo. Nous revoilà, mes petits Nakama, fin de l'event. Petit Nakama, je suis désolé, j'ai coupé court. Hein. Enfin, j'ai coupé court là, pour le débrief, etc. Voilà. C'était compliqué, donc l'event se termine à 18h, j'avais terminé l'event, donc le temps de rejoindre la voiture sur le parking, etc. C'était compliqué, puis de prendre la route jusque Bruxelles, s'arrêter, datata. Donc voilà, vous avez compris, c'était assez précipité. On va passer aux notes plutôt du Royaume TCG. Franchement, event, je mettrai un bon 9 sur 10. Le seul petit couac qu'il y a eu, c'était au niveau de la gestion de file. Ça a mis un petit peu de temps, ça a mis un petit 10 minutes de retard, mais bon. Voilà, parfois il y a des petits couacs, mais sinon, à part ça, la gestion était vraiment bonne. Il y a eu apparemment un ou deux petits vols, mais bon, voilà, il y aura toujours des voleurs, donc c'est pour ça, faites attention à vos petits stands, force à Zouzou. Et donc voilà, petit Nakama, franchement, event au top, bravo à David Lafarge et à l'organisation PokéRads pour Yanis, mon frérot. Donc, event super, des guests de fou, il y avait des potes youtubeurs, des abonnés, des clients, franchement voilà, c'était des stands de fou, c'était une excellente journée. Et ben pour une première, voilà, moi je mets un bon 9 sur 10 parce que 10 sur 10 ça n'existe pas, sauf pour le Belgium, hein, bien évidemment. Mais voilà, bravo à David Lafarge, bravo au gagnant de la set de base aussi, bien évidemment, quelqu'un a gagné une set de base, c'est pas moi, voilà, ça on le sait, c'est très bien, c'est comme ça. Et donc voilà, c'était une journée fantastique. J'ai fait au mieux pour vous filmer tous les stands. Il y avait énormément de stands. Et puis, vous savez, c'est un event. Je ne suis pas comme au Belgium. Je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, j'arrive comme tout le monde. Et quand on arrive comme tout le monde, ben, on croise des potes. On croise des abonnés. Et donc, merci beaucoup déjà à ma communauté, à mes abonnés. J'ai rencontré une dizaine d'abonnés. Et vos messages me font plaisir. Vous me soutenez. Vous me dites de continuer. Merci à ma communauté. Et merci à la communauté Pokémon parce que c'était fantastique. Il y avait peut-être aussi un petit peu de trucs un peu chers au niveau des stands, mais bon, après il faut rentabiliser les stands bien évidemment. Voilà, après ça c'est un autre sujet, mais pour l'ambiance, etc., moi franchement je trouve que c'était fantastique. On s'est bien amusé, c'était cool. Il y avait des tournois du Pokémon, du Naruto, du One Piece, en fait bref, il y en avait pour tous les goûts de TCG. Et voilà, des sociétés de gradation, des boutiques, des protections. D'ailleurs, j'ai vu mon partenaire Procase. On a été chercher quelques petits items hein, de chez Procase. Zach dit, si vous voulez, les items. J'ai beaucoup aidé sur le stand. Voilà, parce que c'est mon partenaire et ça fait extrêmement plaisir. Et j'ai aussi aidé d'autres potos de Belgique, de France, etc. Voilà, voir la famille de Tactic Game, etc. Ça fait toujours plaisir. Mais voilà, je pense qu'on a fait... Ah non, petit Nakama. Le petit sac du Royaume TCG, le sac des VIP. J'ai acheté un billet VIP, bien évidemment, on a soutenu. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans? Eh ben, les flyers, enfin, le gros flyer où il y a les sponsors, etc. Toutes les tables, franchement, voilà, avec tous les trucs, il y avait énormément de stands. C'était pas facile, mais la caméra, j'ai fait au mieux. J'ai raté des ouvertures, etc. parce que je me suis prêté à des jeux aussi. J'ai participé à 2-3 vidéos, notamment Alex de chez Podcard, on a fait une micro-vidéo, Pokébunker, on a fait une micro-vidéo, etc. Et puis j'ai vu des abonnés, comme je vous l'ai dit, donc moi je prends le temps de discuter avec tout le monde. Le vlog, pour vous partager, franchement, je le fais, ça fait plaisir. Mais si je dois m'arrêter pour des Nakamas, je m'arrête directement, hein. Je m'arrête pour tout. Hein. Et donc on avait reçu ça aussi, Collector, c'est une maison de vente aux enchères, il y avait pas mal de gros items, hein. Ça faisait plaisir. Et donc ici, on a reçu ça, je pense que c'est un playmat, hein. On a le logo du royaume, etc. Je pense que c'est un playmat, je suis quasi sûr, hein. Ça c'est vraiment les trucs des playmats, ça fait pas de bruit, c'est un playmat. On va le découvrir ensemble, hein. En fait c'était le... Et en bas, franchement, ça irait bien dans ma déco, hein. Très grand tapis en plus, hein. Avec 1 milliard de refs, le royaume. Dragon Ball, Naruto, Pokémon, One Piece, ça fait plaisir. Et le petit Graal, hein. Je pense que vous l'avez vu, elle est déjà en vente sur Vinted à des prix dérisoires. Une carte alternative de David Lafarge avec un ectoplasma, une Master Ball et le Royaume TCG.
Voilà, comme ça vous pouvez voir un David F1. Moi j'aurais plutôt dit David Lafarge en alternative. Bon, il y a le retour de l'écran. Maintenant là, je pense que vous allez peut-être mieux voir. Plan faux mieux. Magnifique pépite, je sais pas qui l'a fait ça. Il y a des petits détails, etc. Ça fait grave plaisir. Et ben, franchement, on a été gâtés. Très bon sac VIP. Donc voilà, un bon 9 sur 10 pour le premier event. Il y aura un 2 d'office. David a fait l'annonce aujourd'hui, le dimanche, pour le deuxième jour. J'ai pas pu participer, mais tiens, j'ai une famille. Vous savez, j'aime ma femme et mes enfants, donc on peut pas partir pendant plusieurs jours. Ça fait mal au cœur, mais voilà, ça fait plaisir de rencontrer la communauté. C'est les événements, c'est dur hein, de faire Bruxelles, Paris, etc. Je vous le garantis, hein, c'est compliqué. Mais voilà, tout y était. C'était un bon moment. On a bien rigolé, on a bien kiffé. Quelques petites ouvertures par-ci, par-là. J'ai essayé de vous montrer le maximum de stands et de ma journée. Donc voilà, je pense que c'est un bon petit vlog. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et on arrive avec d'autres vidéos, un petit Nakama. N'hésitez pas, merci, prenez soin de vous. Ciao.